Départ du prix Popov, 1600 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 4 ans et plus avec un bon départ côté corde pour Campione. On est bien parti également à son extérieur avec Caillot Shop alors qu'on vient à l'extérieur également en 3e position avec Chiffouquet numéro 4 en étant en 5e position avec Split Step alors que côté corde nous avons également Don Papa avec un peu plus loin Eastern Promise alors qu'on est à l'arrière-garde avec Koga Sepik. Il en reste 1200 mètres à parcourir. Les premières places toujours occupées par Caillot Shop qui est à l'extérieur. La Kazakh Noire accompagnée encore côté corde par Campione. Alors que Chiffouquet est en 3e position. On vient ensuite avec Don Papa qui vient maintenant 4e avec également dans son sillage Slip Step. 900 mètres à parcourir, des positions de tête inchangées, à savoir toujours côté corde Campione, accompagné encore à l'extérieur par Caillot Shop, alors qu'on est le long de la corde en 3e position maintenant avec Don Papa, alors qu'on progresse maintenant à l'extérieur avec Sobapik également, avec Chiffouquet. Alors qu'on se retrouve à l'arrière-garde avec maintenant Élisée Dosmain et également avec Dark Crystal. Il reste un peu plus de 400 mètres à parcourir. On est quelque peu monté en tête maintenant par Campione, alors qu'on est en 2e position avec Chiffouquet qui vient de plus en plus vite. Avec en 3e position côté corde, Don Papa avec également en 4e position Solomal Piqué. On vient également à l'extérieur avec Riboudrim. Il leur reste 150 mètres à parcourir, alors qu'au centre, on a pris l'avantage maintenant avec Chiffouquet. Avec en 2e position, on finit fort avec Eastern Promise également à l'extérieur avec Koka Sepik et complètement à l'extérieur avec Fairking, notre chaîne. Il reste 30 mètres à parcourir avec la victoire peut-être pour le numéro 4 Chiffouquet. À voir encore à l'extérieur avec Koka Sepik et au centre avec Split Step.